Comme elles étaient belles, les plages de mon enfance. J'en ai passé du temps dans ce lagon à faire de la planche à voile, à observer les poissons et les coraux sous l'eau. Ça grouillait de vie, c'était magnifique. Mais maintenant, 20 ans plus tard, je les reconnais plus, ces plages. Elles ont rétréci et puis devant certaines maisons, les vagues, elles viennent casser carrément devant le mur des maisons. Et j'ai plus d'endroit où poser ma serviette. Le pire, c'est aux Roches Noires. Alors j'ai rencontré un géologue qui m'a expliqué un peu la cause de tout ce changement et je lui ai demandé, mais où est passé tout ce sable? C'est marrant ces fils à eau avec toutes les racines qui sortent. C'est quoi qui fait ça? Ça, c'est le résultat de l'érosion marine. C'est une érosion qui a démarré à La Réunion depuis, je dirais, la fin des années 60. Et quand on observe ce fil à eau et son déracinement, on imagine très bien qu'on a perdu plusieurs mètres d'épaisseur de plage, plus de 3 mètres dans cette zone-là. Ce que les gens qui arrivent aujourd'hui n'imaginent pas, c'est que la limite de rivage était 20 mètres plus loin. Le littoral a reculé de 20 mètres. Quoi. Voilà. D'accord, donc ça veut dire que quand la mer a avancé, elle a embarqué le sable avec elle? Exactement. Il y a eu des actions houlographiques extrêmement agressives. Et quand les déferlements viennent frapper la base des fils à eau, il y a une agitation importante avec un phénomène de ressac. Et les vagues, au lieu d'aller mourir de leur belle mort plus haut sur la plage, rebondissent sur les pieds de fils à eau et puis repartent en arrachant du sable. Et ce sable se retrouve ensuite dans le lagon. Le sable, pendant un certain temps, il se déplace dans le lagon, il peut même se déplacer tout le long de la plage, bon, mais il y a un moment donné où il est happé, hein, absorbé un peu par les courants et il est renvoyé vers le large. Et là, il est définitivement perdu pour les plages. Mais ça veut dire que nos plages vont complètement disparaître au bout d'un moment? Elles sont actuellement en train de disparaître. Ici, comme il reste encore de l'espace en arrière, on peut penser qu'on aura toujours un petit bout de plage qui peut résister. Mais dans certaines zones où on a construit sur ces espaces-là, la plage peut complètement disparaître. Et c'est ce que l'on a pu observer dans d'autres zones de La Réunion. Et alors pourquoi avoir planté autant de fils à eau sur le bord de plage ici? Ils ont été plantés dans une optique bien précise. Il s'agissait de faire du bois de chauffage. Ce bois de chauffage devait servir en particulier à la population. Ça remonte à la fin du 19e siècle, donc pour ses besoins journaliers, mais également aussi pour alimenter les locomotives à vapeur du train qui venait de s'installer, et également les chaudières des usines qui fonctionnaient à l'époque, en particulier les usines sucrières, mais également les fours à chaud. Alors, il y a juste un truc que je comprends pas, c'est que le sable qui était là déjà, c'est bien la houle qui l'a emmené. Oui, bien sûr, oui. Oui. Et donc, quand elle repète la houle sur la plage, elle ne veut pas ramener encore plus de sable? Bah, logiquement, elle devrait en ramener, oui. Mais le problème, c'est de savoir si elle en ramène autant qu'il y a de sable qui est parti. Le sable qu'on a ici, c'est du sable corallien. Comme son nom l'indique, il a été fabriqué par le récif corallien. Plus particulièrement par tous les organismes qui vivent sur la barrière corallienne. Ces organismes, quand il y a des tempêtes, quand il y a des coups de mer, sont soumis à des actions extrêmement sévères. Et certains de ces organismes, comme des branches d'arbres dans une forêt, sont arrachés par les déferlements les plus énergétiques. Et ces débris d'organismes, ensuite, sont transportés à travers le lagon et viennent se déposer sur la plage, et viennent enrichir la plage, c'est-à-dire engraisser la plage. Certaines vagues ont des caractéristiques qui vont également déplacer ces sables le long du littoral. À la fois le long du littoral, mais également du haut vers le bas des plages. Et du bas également vers le haut. Donc une plage, elle peut, comme un être humain, grossir, maigrir. Voilà, exactement. Une chose est sûre, c'est que d'une tempête à une autre, par exemple, vous ne serez pas forcément sur le même sable. À chaque tempête, le sable va bouger, mais comme il est remplacé par d'autres, vous ne voyez pas de différence, vous avez toujours l'impression que la plage est toujours là. Voilà.
Maintenant, où le problème se pose, c'est lorsque le récif corallien n'est plus assez producteur. À ce moment-là, les pertes continuent à se faire, mais la production est insuffisante. La plage va s'éroder, elle va perdre des matériaux, elle va s'éroder. Et là, ça va trop vite. La fuite est trop rapide et la production reste au même rythme. Et si en plus encore elle est ralentie, alors là c'est la catastrophe. Et on est un peu dans cette situation-là. Mais ça me paraît dingue quand même, parce que ce sable il est là depuis des milliers d'années et juste en quelques décennies il pourrait complètement disparaître. Le récif corallien, il a commencé à se mettre en place il y a 8500 ans à peu près. On sortait d'une période de glaciation. L'océan était beaucoup trop froid à l'époque pour permettre le développement des coraux. Et il y a 8500 ans, les conditions sont devenues favorables pour que des coraux commencent à construire un récif. Mais à l'époque, le niveau marin était près de 15 mètres sous le niveau actuel. On avait un niveau marin qui était beaucoup plus bas. Au cours de la remontée marine, bien entendu, qui a suivi le réchauffement après la glaciation, des générations successives de coraux ont permis à ce récif de monter verticalement. Et pendant toutes ces phases de croissance, la mer, bien entendu, a continué à attaquer ce récif et à produire des quantités de particules qui sont venues se déposer en arrière de ce récif. La vitesse de remontée du niveau marin était en gros de 3 mm an à peu près, et le récif a suivi cette vitesse de remontée. On le sait parce qu'on a pu faire au début des années 70 un forage sur le platier corallien de la Saline-les-Bains, mené par des scientifiques qui ont pu étudier comme ça, en voyant génération de fossiles, de coraux, les unes par-dessus les autres, ont pu apprécier cette vitesse de remontée. Donc la quantité de sable sur une plage peut augmenter et diminuer. Et c'est quoi alors le terme transit sédimentaire littoral ? Voilà, le terme exact c'est transit hydro-sédimentaire. En réalité c'est un transport de sédiments, qui sont ici les particules de sable, par les masses d'eau. Sur le site où nous sommes ici à l'Ermitage, les régimes houlographiques qui sont les plus actifs dans ce système, ce sont les houles australes. Et les houles australes qui viennent du sud-ouest créent un mouvement résultant, celui-là qu'on appelle le transit hydrosédimentaire, qui va des zones sud vers les zones nord. Ce ne sont que les phénomènes exceptionnels qui font bouger les plages. Les phénomènes les plus forts, ce n'est pas lorsque les conditions sont calmes, etc. C'est lorsqu'on est vraiment en situation de tempête. Pourquoi les plages, elles n'ont pas toutes la même longueur ? La plage des Brisants, elle est super grande par rapport à celle de l'Ermitage. Le problème, c'est que c'est une zone qui reçoit constamment du sable qui vient de la zone sud. La véritable usine à sable, c'est le grand récif de la Saline, qui se trouve plus au sud. C'est le récif corallien le plus âgé, le plus évolué. Et c'est lui qui produit le plus grand volume de sable. Le sable, dans un premier temps, il est bien entendu transporté sur les plages qui sont au droit des zones les plus au sud, mais il y a aussi tout un transport longitudinal qui se fait du sud vers le nord. Ce qui fait que, d'une manière assez régulière, cette zone-ci reçoit du sable qui a été arraché dans la partie sud. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, par contre, c'est que la proximité de ces murs par rapport à la mer fait que quand vous venez ici un jour de tempête, vous ne voyez plus la plage.
les vagues viennent briser contre le mur, créent un phénomène de ressac et ont tendance à emporter le sable qui était devant le mur. La problématique ici, c'est que la zone est avantagée, elle continue à recevoir du sable, mais elle accélère le déplacement du sable. Elle accélère la fuite du sable du sud vers le nord. Donc moi, je pensais que les murs comme ça, c'était une bonne chose parce que ça protégeait les habitations. Mais en fait, c'est pire pour l'érosion. Ça protège les habitations. C'est une bonne chose pour les habitations, mais ce n'est pas une bonne chose pour la plage. À chaque fois qu'on est en situation de tempête, bien entendu, on a cette agitation en pièces mûres qui provoque les phénomènes de ressac qui mettent le sable en mobilité et qui l'emmènent vers le nord. Le problème, c'est que ça va marcher, ça, tant que la partie sud continuera à envoyer du sable pour compenser les fuites qui se font ici. Or, on a vu que dans la partie sud, la zone est déjà bien attaquée par l'érosion. Ça veut dire qu'elle est déjà en appauvrissement systématique de sable et qu'il y a un moment, bien entendu, où elle ne fournira plus suffisamment de sable pour continuer à mettre du sable devant ces murs-là. Et l'autre problème, c'est qu'on peut aussi penser, et avec justesse, que cette zone qui accélère la fuite des sables a une grosse responsabilité dans l'érosion des parties sud de la plage. Ici, on est dans la zone nord. Et la plage des Brisons, elle va continuer de s'agrandir ? Comme elle est au contact de la digue du port qui bloque le mouvement de sable, du sable qui autrefois allait sur Roche Noire. Ce sable, maintenant, il est bloqué par le port, et quand il est bloqué, il est repris par l'agitation contre la digue et les courants de la digue, et à ce moment-là, le sable, il repart au large. Alors cette plage ici, c'est vraiment de toutes celles que je connais, c'est celle qui a le plus changé. Il n'y avait pas toutes ces roches avant, donc qu'est-ce qui s'est passé par ici ? Oui, c'est un secteur qui a beaucoup bougé. Bah déjà, il faut réaliser que là où nous voyons tous ces gros galets, bah autrefois c'était rempli de sable. La preuve, c'est les beach rocks qui sont en pied de plage. Ces beach rocks ne peuvent se former que dans l'épaisseur du sable, sous le sable et à la limite entre la plage et la mer. Mais à partir du moment où on voit les beach rocks, c'est que le sable qui était dessus est parti. Donc ça, c'est déjà un signe d'érosion. Et le sable est d'autant plus parti qu'il a laissé tous les éléments lourds qui étaient à l'intérieur, dans l'épaisseur, et qui se sont entassés ici. Pourquoi ce sable est parti ? C'est déjà la proximité des constructions de murs qui sont derrière nous, et le fait que quand on est en situation de mer agitée, les vagues viennent frapper avec toute leur énergie contre ce mur, ne peuvent absolument pas perdre l'énergie qu'elles transportent avec elles, et au contraire, en créant le phénomène de ressac, arrachent les sables qui étaient sur la plage. La deuxième raison, c'est lié à la construction du port des Roches-Nord, enfin de Saint-Gilles, puisque le transit sédimentaire venant du sud, c'est-à-dire tous ces grands mouvements de sable qui viennent des zones sud, eh bien ce mouvement sédimentaire a été bloqué par la construction du port. Ce qui fait que la plage de Roche-Noire est en recul, elle est en régression permanente. À cause du port, bien sûr, mais aussi à cause d'une ravine que l'on a endiguée et qui régulièrement, pendant les crues, enlève aussi des volumes importants de sable. Quand des plages manquent de matériaux, manquent de volume sableux, eh bien, quand c'est possible, il y a un phénomène de compensation qui se fait par le jeu de courant. Or, ici, on est dans une situation un petit peu particulière.
c'est qu'entre le port de Saint-Gilles et la pointe du cimetière de Saint-Gilles, de Saint-Gilles également, on a un contre-courant, c'est-à-dire un courant qui vient du nord et qui va vers le sud. D'accord. Et lorsqu'on est en période d'agitation maximale, de tempête maximale, ce courant et les déferlements sont aussi capables d'emporter le sable qui est ici et d'aller éventuellement l'ajouter sur la plage des Roches Noires. Particulièrement si la plage des Roches Noires est en demande, parce qu'elle est en déficit. Or, elle est en déficit permanent. Donc, pendant un certain nombre d'années, cette plage, cette portion de littoral, ce secteur de plage qui est ici, est venue et continue d'ailleurs à alimenter le manque de sable de la plage des Roches Noires par ce jeu de contre-courant. Il y arrivera peut-être un moment, bien entendu, où nous n'aurons plus suffisamment de sable et ces murs que l'on voit déjà bien déstabilisés avec des escaliers avec des marches pour des géants, hein, des marches énormes, voilà, et puis également des blocs qui traduisent l'effondrement de murs précédents, il arrivera un moment où ces habitations et leurs murs seront en prise directe avec la mer. Et on sera obligé de faire ce qu'on a déjà fait dans la région des Roches Noires pour les protéger, si on veut les protéger, de mettre des enrochements extrêmement lourds. C'est une technologie artificielle hein, de protection contre la mer, mais qui coûte très très cher. Très très cher à mettre en place, très cher à entretenir, et qui malgré tout, dans la durée, n'est pas non plus une sécurité totale. Et dans les années 60-70, les responsables pouvaient intervenir ? On aurait dû certainement, dans un premier temps, faire en sorte de ne pas construire jusqu'au bord des plages. Il y avait pourtant à l'époque des règlements qu'on aurait pu utiliser. Il existait déjà des règlements anciens, comme les fameux pas du roi, qui interdisaient justement de faire quoi que ce soit sur une certaine distance à partir du bord de l'eau, que l'on a transformé en pas géométrique et qui plus récemment a donné naissance à ce qu'on appelle la loi littorale. Malheureusement, ça n'a pas été suivi véritablement et on peut même dire que pour les derniers documents, ils sont relativement bafoués, contournés, bafoués et c'est très dommage. On n'a pas tenu compte, bien entendu, à ce moment-là, pour satisfaire un peu ses intérêts immédiats, on n'a pas du tout tenu compte de ce qui allait se passer dans l'avenir et on a de ce fait autoriser des aménagements en limite de plage qui ont été des aménagements à la fois accélérateurs de l'érosion, mais on peut même dire des aménagements qui ont initié l'érosion sur les littoraux coralliens de la Réunion. Entre-temps aussi, on a eu le malheur de se laisser prendre par certaines modes liées au développement touristique. On a mis en place une machine qui, pendant une dizaine d'années, nous a écrémé les plages pour enlever tous les gros débris. Et ce que l'on n'a pas réalisé à ce moment-là, c'est qu'on a enlevé du matériel à la plage et on a fait descendre pratiquement le niveau de la plage en une dizaine d'années. Il a descendu de 15 à 20 cm. Ça veut dire qu'on a éliminé plus de sable que le récif n'en produisait ? Exactement. Et ça ne s'est pas arrangé, puisque à partir de ces années, on a aussi assisté à une fréquentation importante des plages par rapport aux années précédentes. La fréquentation des plages, elle a un effet négatif sur le sable, à part les déchets qu'on laisse Eh oui, les gens ne l'imaginent pas, mais lorsque vous avez des milliers de personnes qui viennent régulièrement sur les plages, le piétinement de ces milliers de personnes contribue à faire glisser, à faire descendre les particules de sable vers le bas de la plage. Ce sable est emporté vers le large et où il est définitivement perdu. Et les déchets, c'est sans importance ? Les déchets, ça fait partie des pollutions que l'on apporte. Et des pollutions, eh ben, il y en a un grand nombre. Et ce sont tout autant de facteurs qui viennent s'ajouter, avec également des usages aussi qui sont parfois inappropriés pour les plages. On voit des tas d'activités aujourd'hui se développer sur les plages et qui ont aussi des rôles négatifs. Et on a un certain nombre de facteurs comme cela qui vont contribuer à faire en sorte que le récif corallien ne se comporte plus de manière équilibrée et qu'on puisse même considérer qu'il ne soit plus en véritable bonne santé. Et ce récif corallien, justement, à La Réunion, on en entend beaucoup parler, il est en si mauvaise santé que ça ? Oui, il ne va pas très très bien.
Très très bien. Il est étudié quand même depuis déjà pas mal d'années par des scientifiques. Et les scientifiques, pour pouvoir un peu évaluer l'état de bonne santé d'un récif, utilisent ce qu'on appelle le taux de calcification, c'est-à-dire le pourcentage de calcaire qu'un récif peut produire sur une certaine surface pendant un certain temps. Ce taux de calcification, sur des récifs en bonne santé, il évolue entre 7 kg par mètre carré par an, et pour les récifs qui sont vraiment très très bonne santé, jusqu'à près de 15 kg par mètre carré par an. À La Réunion, on est à peine supérieur à 1 kg par mètre carré et par an. C'est-à-dire que le récif se maintient à peine. Et pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces plages? Quelque chose peut être fait encore? Il serait très urgent de mettre en place une gestion efficace de tous ces espaces, que ce soit d'ailleurs les espaces de plage proprement dit. Et là, il faut comprendre dans un espace de plage, pas la plage au sens strict, mais également l'arrière-plage, là où justement beaucoup d'installations se font et ne devraient pas se faire, mais également les avant-plages qui sont sous l'eau, et également, bien entendu, la structure qui est responsable de la mise en place de ces plages, à savoir le récif corallien. Il faudrait que cette gestion soit mise en place, mais également qu'elle soit sérieusement respectée. Mais est-ce que les pouvoirs publics, ils ont été prévenus au moins de tous ces problèmes d'érosion ? Ils ont certainement été prévenus. Moi, j'ai du mal à penser le contraire. En termes d'information, ils avaient tout ce qu'il fallait pour être mis au courant. Moi, j'y connais pas grand chose, mais j'avais cru comprendre que le problème d'érosion, c'était surtout les récifs coralliens, et du coup, c'était surtout à cause du réchauffement climatique que le récif corallien arrêtait de grandir. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il en est du réchauffement climatique. Le problème aujourd'hui, c'est que ce récif, il n'est plus en bonne santé. Et s'il n'est plus en bonne santé, ce n'est pas forcément à cause du réchauffement climatique. Il n'est surtout plus en bonne santé, et ça, on le sait depuis longtemps, à cause des diverses pollutions qu'il a dû subir depuis des décennies. Que le réchauffement climatique maintenant vienne s'ajouter à cela, c'est une évidence. Mais il est certain que les facteurs qui étaient responsables au départ, maintenant vont devenir des facteurs aggravants et qui vont s'ajouter à ce que le réchauffement climatique apporte comme modification et vont accélérer, bien entendu, le phénomène. Et c'est là le danger. La Réunion se trouve dans une zone océanique qui est à la limite de masse d'eau encore relativement fraîche. Ce qui fait que quand ce réchauffement océanique va intéresser notre zone, on sera certainement beaucoup moins impacté que beaucoup d'autres zones qui sont situées au nord de La Réunion, beaucoup plus proches de l'équateur, comme les Seychelles par exemple, qui en souffrent déjà beaucoup plus. Et La Réunion a cette chance d'être à l'heure actuelle dans une limite avec des eaux relativement fraîches qui pourraient nous faire penser, en admettant que le récif corallien soit en bonne santé, qu'il puisse réagir convenablement et conduire, de ce fait, à produire toujours autant de particules, à jouer son rôle de protecteur vis-à-vis des fortes houles, etc. Quand même vraiment inquiétant tout ce qu'on a vu, tout ce que vous m'avez expliqué. Moi, j'aimerais me dire que mes enfants vont pouvoir profiter des plages à La Réunion comme moi j'ai pu en profiter. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure actuelle pour arrêter ce phénomène d'érosion ? L'arrêter, moi je n'y crois plus. Le ralentir, oui. Il y a des solutions. Le problème, c'est qu'il faut avoir la volonté de décider de les mettre en place. Et puis peut-être aussi ces solutions vont créer des contraintes, et pour les élus, qu'ils aient au moins ce courage de vouloir affronter ces contraintes
car il est évident que beaucoup d'entre elles ne seront certainement pas très populaires.